Bon, je pense que vous l'avez vu, on est à Ictus Rufo, on est super excité avec Mamat, on a une session, vraiment, on a 5-6 nuits à faire devant nous. Je pense kiffer à fond, il y a Damien, le baylift de Ictus Rufo qui nous attend et qui va nous faire le tour du plan d'eau. Je pense qu'on est ici vraiment pour kiffer, il y a un cheptel de fou. Donc voilà, nous on est chaud bouillant, on va faire ça, on va décharger, on va charger les bateaux, faire le tour du plan d'eau et on va laisser installer en espérant toucher notre première carpe de Ictus Rufo et surtout essayer de lever une grosse vache qu'il y a dans cet étang. Allez, c'est parti. À notre arrivée sur Ictus Rufo, on est directement pris en charge par Damien le Bélif. Après un rapide café, Damien nous brise sur le comportement des poissons et des spots à privilégier. Y a pas à dire, le cheptel est vraiment incroyable. On n'a qu'une envie, rejoindre les postes au plus vite. Mais avant ça, on part en repérage pour essayer de localiser quelques carpes en activité. Le choix sera vite fait. Les poissons sont regroupés en nombre dans le fond d'une baie. Ce sera donc le poste C que l'on choisira pour essayer de capturer nos premières carpes. On en est où? Mais écoute, là on a tout chargé, on est pas mal excité parce que vraiment on a vu du poisson en quantité, donc là on a qu'une envie, c'est de s'installer là-bas et faire les premières cartes. Allez, c'est parti. Bonne nuit les gars, dormez pas trop quand même. Il est temps pour nous de s'installer sur le poste C. Tirage des postes oblige, c'est Mamat qui remporte la main et il choisira le premier. Le côté droit du poste attire de suite son attention. Une grande digue s'offre à lui avec des variations de fond entre 2 et 5 mètres d'eau pour un substrat plutôt sableux. Pour ce qui est de sa stratégie, il positionnera ses cannes en escalier, en haut et en bas des cassures pour définir où les poissons s'alimentent. Le tout sera amorcé en spot avec de la haute tuna et quelques grains de maïs doux. Quant à moi, les spots sont assez marqués. Je pêcherai la bordure d'en face, sous les arbres qui surplombent l'eau, au spot, avec un mélange Scopex Squid et Coconut Crème. Pour ce qui est de ma troisième canne, je trouverai un éboulis, dans le chenal, où je placerai une pop-up blanche Scopex Squid à proximité de ce dernier, dans 5 mètres d'eau. Les poissons ont l'habitude d'y tourner, pour y dénicher les quelques crevisses qui s'y cachent. Tout est posé proprement juste avant la nuit, et nous sommes impatients de déclencher notre première touche à Rufo. Ici, nous pouvons casser notre record à tout moment, ce qui rend la chose carrément excitante. Bon, on n'a pas eu le temps de prendre la caméra, il s'est passé quoi là? Bah écoute, on était en train de manger et du coup, départ retour. Et ma foi, un amour blanc. Bon, c'est plutôt cool pour démarrer la session. Je vais replacer ça et puis voilà, on va finir de manger. C'était déjà capturé celui-ci. Sacré baba, hein. Ouais.
Jolie fiche. Ouais. Allez. Quelques photos et c'est parti. Ouais. Oh, regardez-moi ce poisson. On est en train de manger là et du coup, départ retour. Il est massif celui-là. Bon, Matt, j'ai entendu un petit départ là. Bah ouais, écoute, je sais même pas l'heure qu'il est. Gros départ et vraiment un beau poisson à l'arrivée. Bon, on est sur le matin là. Hein. Et vraiment, regardez-moi ça. Oh. Ce fiche, il est pas bien long, mais il est ventru celui-là. Donc, comme je disais, prise à la haute tuna. Bon voilà, première vraie carpe prise sur le petit matin, ça fait vraiment plaisir, un très très beau poisson. J'ai pris sur un petit bonhomme de neige haute tuna, vraiment ça c'est une bille prometteuse. Je suis vraiment content, on va prendre quelques photos et puis elle va retrouver son milieu. Écoute, j'ai réadapté là parce que j'ai passé une nuit stérile et j'avais trois cannes plus ou moins placées au même endroit, enfin pas au même endroit mais sur la même bordure. Et hier soir en passant, j'avais vu qu'il y avait une espèce d'éboulis, je sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est des pierres, des grosses pierres, pas trop loin de mon poste, à 50 mètres. Et du coup, bah, je viens d'aller voir là et effectivement, il y a bien des éboulis donc on va essayer de pêcher dessus. Quoi. Donc bon. On va voir si je peux produire mon premier poisson parce que mon appui a bien marché cette nuit. Donc c'est cool. Et maintenant il n'y a plus qu'à que ça déroule de ce côté. Du coup là avec les gars on a décidé de changer de poste. La nuit a été assez compliquée, l'Orient perd un poisson, moi je fais un amour blanc.
Visiblement, les poissons se sont déplacés. Donc, on va bouger dans l'autre bras là-bas pour essayer de trouver des poissons et de déclencher quelques touches. Je le sentais, les gars, c'est pour ça que je l'ai laissé. Départ devant mes pieds, incroyable. C'était la dernière canalo. Dernière canalo. Là, on a changé de poste parce que c'était complètement stérile depuis hier. Et là, vraiment improbable quoi. Tout le monde a plié. C'était vraiment la dernière canalo. Maman, tu allais la prendre pour la saisir quoi, pour la ramener. Et départ dans les mains quoi, c'est incroyable. Donc bon, ça remet pas en question le changement de poste. Mais ça fait plaisir avant de partir parce que ben, voilà, ça fait un poisson de plus. J'espère qu'il finira dans le triangle. Ben voilà, écoute, je suis content. Une belle miroir, juste avant de plier. C'est pas un gros poisson, mais elle fait du bien au moral. Ouais. Bon voilà, un petit mal. Juste avant de partir, ça fait plaisir. Donc là, on a chargé les barques. Et on va changer de poste. Pour essayer de faire un petit peu plus gros. Le fait d'avoir touché un poisson ne remet pas en cause le changement de poste. Il est temps pour nous de partir, nous nous dirigeons vers le poste J, qui est une zone de passage inévitable pour les poissons. Nous sommes confiants, à notre arrivée, quelques poissons se sont manifestés, et la zone offre vraiment une multitude de spots à pêcher. Le poste se situe sur une pointe à l'embranchement des trois bras, ce qui en fait une zone de passage obligatoire pour les carpes. Bordure, herbier, pleine eau, arbres et ponts immergés, il y a vraiment de quoi faire. Autour de l'Orient Choisir, il pêchera la partie gauche du poste, la zone la plus ouverte, celle qui ressemble à un plan d'eau. Il faudra donc faire entrer les poissons. Pour cela, l'Orient va opter pour un amorçage de zone avec sa fameuse combinaison Scopex Quick Coconut Crème en grande quantité pour essayer de créer une zone d'alimentation et faire entrer un maximum de poissons. Quant à moi, je pêcherai le côté droit du poste J. Plusieurs spots évidents se proposent à moi, comme un gros arbre immergé sur la berge d'en face et les restes d'un vieux pont en plein milieu du bras venant du cas. Un simple amorçage au spot avec quelques poignées de haute tuna devrait suffire à intéresser les poissons de passage qui naviguent dans la zone. Nous voilà sur notre nouveau poste, donc il me semble, je ne sais plus lequel c'est poste J. On a carrément changé de zone de pêche, on est dans l'autre bras de Ruffo, et c'est une zone beaucoup plus grande. Mamat lui pêche la droite du poste, où c'est un grand chenal qui rejoint une grande baie. Il a notamment des arbres immergés et un pont. Et moi j'ai une grande étendue d'eau, comme un plan d'eau, ça fait comme un étang, où j'ai un arbre immergé, une grande baie au fond où il y a des herbiers, et à droite j'ai le chenal qui vient du poste VIP.
Donc ouais, on est posé depuis cet après-midi et Mamat, il est en feu en ce moment parce qu'il a fait un poisson ce matin avant de partir et il vient à peine qu'on est posé de faire un poisson sous l'arbre immergé là. Un petit poisson malheureusement, mais bon, ça fait quand même plaisir. Et moi, je suis toujours capot, donc j'espère que dans la journée, enfin, dans la, cette fin de journée et dans la nuit, je vais enfin pouvoir mettre au sec mon premier poisson, sachant que la nuit dernière, j'ai perdu un poisson malheureusement sur l'ancien poste. Donc voilà, on reste optimiste, il nous reste encore beaucoup de temps de pêche. Et sincèrement, on espère tomber une belle vache de ruffo. Changement de poste bénéfique. Maman, t'as fait un poisson, il y a quoi, il y a une heure et demie avant. Là, je sais pas quelle heure il est, je pense qu'il doit être 1h du matin. Et enfin, mon premier poisson, après celui-là que j'ai perdu dans la nuit dernière. Et je pense qu'il y a un sacré beau fiche. On doit pas être bien loin des 1 kg. Et ouais, je suis content. Je suis content, ça fait plaisir, parce que je le prends sur un poste que j'ai fait, enfin du moins un spot que j'ai trouvé au loin là-bas. J'ai mis un repère, j'ai bien amorcé bien large et j'ai mis pas mal d'appât et les poissons ont l'air de rentrer. Et c'est le premier, et j'espère que c'est pas le dernier et que ça va continuer comme ça. Donc voilà. Là, il y a une sacrée vache qui vient de tomber. J'ai pas été gâté depuis qu'on est là, mais cette nuit, ça fait deux beaux poissons. La 22 de tout à l'heure, et puis là, je sais pas quelle heure il doit être, 5h30 du matin. Sur la bordure d'en face, je viens de faire un poisson énorme. Je sais pas, je pense que tu veux dire une boire. C'est une tortue, quoi. Ah, il y a un très très gros poisson, effectivement. Ouais, 48. Entre 48 et 49. 48,5. Bon, voilà le poisson de la nuit, un super miroir, ça fait vraiment plaisir. Et Lorient, juste après, va vous présenter ses deux premiers poissons, et vraiment, c'est de très très gros poissons. Là, il y a bœuf aussi. Oh là là.
Voilà ce que c'est loup. On était en train de faire des photos de la précédente carpe et la canne qui est plus loin derrière s'est emballée et du coup on a fait un combat mais incroyable. Et à l'arrivée, un fish d'exception, 26-300. Autant vous dire que j'ai les bras qui tendent. Boum. Et voilà. Pouah. Morphologie complètement différente et une souche complètement différente aussi. Ça fait carrément plaisir. Ah, des nuits comme ça, on en aurait tout le temps. Bon, c'est juste exceptionnel qui se passe là depuis, allez quoi, 1h du matin. On fait 3 touches avec ma mat. Moi, je décapote. Enfin, après avoir perdu un poisson hier, enfin avant-hier soir. Et là, la troisième nuit, bah, juste pour moi, exceptionnel. 2 poissons, 22 kg, 22 kg 500. Ça, c'est la deuxième qui fait 22 kg 500. Bah, ça fait plaisir, carrément. Donc, ouais, on va vous montrer ça. C'est un morpho de fou. Après ces quelques heures de folie, difficile de se remettre de telles émotions. Mathieu qui casse son record miroir avec un sublime poisson, et moi qui décapote enfin avec un super doublé de 22 kg. C'est clair, ça n'arrive pas souvent, alors on profite car des nuits comme ça, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Malheureusement, le reste de la journée sera terriblement calme. Un gros vent du nord s'est levé et les températures ont considérablement chuté. Ce qu'on espère vraiment, c'est que tout cela n'ait pas cloué la bouche des poissons, car les grosses carpes semblent en activité et notre changement de poste a été visiblement bénéfique. Quoi qu'il en soit, avec la nuit qu'on vient de passer, on est gonflé à bloc et la confiance est à son maximum. Après avoir replacé toutes nos cannes pour le coup du soir, Mamat va lui déclencher une touche sous son arbre émergé. On est monté un petit peu en poids là avec ce poisson, elle est magnifique. Je l'ai prise sur mon spot là, à côté d'un pont immergé. Prise sur un dérig Otuna. Thank you.
pense qu'il est 5h30 du matin. J'ai juste enfin une touche. Ma mate aussi a fait une touche aussi en même temps. Je pense qu'on a un bon poisson qui est passé devant nous. Et là, je suis en train de me battre avec un poisson qui ne doit pas être mauvais. Il va être un joli poisson. J'ai l'impression que j'ai tiré un secteur quand même où les poissons passent la nuit, parce que la journée c'est quand même assez mort. Mais bon, ça fait une touche de plus, ça fait plaisir. Oh, c'est joli quand même. Oh, super. Et une de plus. Pour faire un départ. Ouais, c'est un poisson de 12-13. Oh, c'est comme... Hein, c'est bon, moi je suis prêt. Ouais. Ah, c'est bon. Boum. Et voilà, notre petit doublé du matin avec ma mate. Ça fait vraiment plaisir, hein. Grave. C'est pas des très gros poissons, mais... T'es en forme, hein. C'est quand même super beau. On prend du plaisir. Puis bon, il nous reste encore, on sait pas trop, une, deux, peut-être trois nuits. On verra. On verra comment ça se passe. Pour l'instant, on se régale et... Donc je pense qu'on va rester encore un peu et puis continuer à se faire plaisir avec des jolis poissons comme ça. Visiblement, les stratégies que nous avons employées fonctionnent parfaitement. Les poissons répondent bien à la haute tuna ainsi qu'à la Scopex Squid. Question montage, fidèle à moi-même, j'utilise mon fameux D-Rig avec un Fungix Style 2 de la Skinning Steve 25 livres, le tout éché d'un bonhomme de neige haute tuna. Lorient lui a comme montage favori le slip D-Rig monté avec un twister numéro 4 de la Skinning 25 livres semi-stiff, éché d'un bonhomme de neige Scopex Squid. Pour sa canne de bordure, il utilise un spinner claw numéro 4 éché d'un Culturette Scopex Squid pop-up en 15 mm. Encore un sacré poisson de Ictus Rufo. Vraiment, le cheptel ici est incroyable. Les poissons sont vraiment magnifiques. Toujours sur mes hauts tuna là-bas, un petit bonhomme de neige. Très simple. Et ça fait le taf. Mon poste est complètement stérile, mais j'ai repéré des poissons sur la berge d'en face, là-bas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux cannes, une épuisette, un tapis et un seau d'appât. Et je vais aller stalker quelques carpes, essayer de voir si, même si c'est pas des gros poissons, essayer de faire un ou deux poissons dans l'après-midi. Voilà. If you told me I'm the only one you're thinking of, you could hold me, I would tell you there's nobody else, I want you and no one else.
voilà. Avec un point de coaching. Eh bien, ça fait plaisir. Boum. Et voilà comment conclure une heure de stalking avec ce super poisson. Vraiment pris à 1m50 du bord, quoi. Entre deux arbres immergés. Super poisson qui doit faire, je sais pas, 15-16 kilos. Mais on s'en fout parce qu'il fait super beau et on kiffe à fond, quoi. Écoute, hein, c'était la dernière nuit sur Ictus. Et un beau mâle pour finir pour ma mat. Moi, ça a été stérile. J'ai fait ma pêche, on va dire, vraiment une nuit. Et ma mat, lui, a été régulier. Vraiment, son poste, c'est un bon poste de passage. Il a fait vraiment du poisson pendant quoi, les 4-5 nuits qu'on a fait ici. Donc, beau poisson encore. Ouais. Bah ouais, écoute, beau combat, beau poisson. On termine bien. On termine. Ben voilà, ben nous, ça s'achève. On va plier tranquillement. Et puis voilà. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, ah, oui. La session est pas finie, on a plusieurs nuits encore. Sauf qu'on change de lac. Et vous allez voir, il y a quelque chose qui nous attend pas dégueu. Ça promet. Ouais, ça promet. Alors on va faire quelques photos de celle-là et on la relâche, puis on plie, puis on se casse. On y va. Après ces quelques jours mouvementés, il est temps pour nous de remballer. Mais pas pour rentrer à la maison, ça non. On se dirige vers une gravière au cheptel démesuré et aux eaux turquoises. Un spot où tout peut basculer et transformer cette session en carnage complet. Une chose est sûre, c'est pas la motivation qui manque et l'excitation est à son comble. Après 4 heures de route, nous voici enfin arrivés et nous sommes superbement bien accueillis par Romain, le bailiff d'Ictus. Et après un gros topo sur le plan d'eau, nous avons la chance d'être positionnés sur le poste 8, qui est ni plus ni moins le poste VIP du lac. Une grande ouverture d'eau s'offre à nous avec une multitude de spots. Au fond, cassures, herbiers et autres arbres immergés, c'est sûr, c'est pas le choix qui manque et le plus dur va être de trouver où les poissons s'alimentent. J'ai la chance de remporter le tirage au sort et je choisis donc de pêcher au centre, un gros au fond situé à 210 mètres de la berge. J'y placerai donc mes 3 cannes en escalier, une dans 7 mètres d'eau en bas du haut fond, une dans 5 mètres dans la pente et une en haut du haut fond dans 3 mètres d'eau. Le tout sera, comme toujours, arrosé de ma combinaison favorite, Scopex Squid et Coconut Crème. Comme montage, du simple et efficace. Mes 3 cannes en 200 nœuds avec du fluorolling car l'eau ici est très claire et surtout pour éviter les emmêlements lors des déposes. Des clous numéro 2, échés d'un bonhomme de neige Scopex Squid en 20 et 15 mm. Mamat lui pêchera à gauche du poste avec 2 cannes.
une sur la bordure dans 4 mètres d'eau dans le bas d'une cassure, et la deuxième le long d'une longue ligne d'arbres immergée dans 5 mètres d'eau. Quant à sa troisième canne, elle sera placée sur la droite du poste, sur la pente d'un haut fond où on a eu la chance de voir quelques poissons. Question montage, fidèle lui-même, ça sera Derig en Fluorolink et Fangix Taille 2, échée de bonhomme de neige Hot Tuna, du simple et efficace. Bref, on a hâte de déclencher notre première touche, car ici, tous les rêves sont permis. Après une nuit complètement calme, et là avec ma mate, on était en train d'admirer un lever de soleil, mais juste magnifique. Et puis on était en train de se dire, bon, ben, on va peut-être adapter une ou deux cams, et puis départ en trombe, quoi. Donc voilà, maintenant je vais me concentrer un peu pour faire notre premier poisson du Tuscar. Et voilà. Présenter ce super miroir de main. Elle est vraiment très jolie. On voit que c'est des poissons en forme. Oh, ce qu'elle me met. Oh, ce qu'elle me met alors. Oh, c'est un beau fish. Oh, c'est un beau fish. Oh là là. Ouh. Oh, ce qu'elle m'a mis. Oh, je pensais tellement à un fish plus gros. Et voilà. En plein soleil, on était en train de manger avec ma mate. Et départ en trombe sur mon spot au loin là-bas. Un mâle qui était vénère, quoi. Vraiment en colère. On m'a mis un combat de feu. Puis voilà, ça fait vraiment plaisir. En même temps, ma mate a fait un amour blanc aussi. Et une décroche sur ses cams. Donc ça a l'air de se mettre en activité. Et j'espère que ça va continuer comme ça parce que bah, ça fait même pas 24 heures qu'on pêche et ça rend plutôt pas mal.
Et ben voilà, super commune pour moi, prise ce matin. Ça fait un peu moins de 48 heures qu'on est là. J'ai perdu un poisson hier. Et au réveil ce matin, une super commune. Bon, c'est pas un gros poisson, mais ça fait toujours plaisir. Donc toujours sur mes bouillettes de tuna, hein, une canne en bordure, au pied d'un haut fond. Donc voilà, je vais replacer la canne, on va remettre le poisson à l'eau. Et puis on verra s'il y en a d'autres. Mort de 15h au matin à 6h30. J'ai fait un premier amour blanc ce matin, un petit entre 15 et 18, et là ben, j'ai fait vraiment un babar quoi. Alors c'est pas ce qu'on est venu chercher, mais il y a une bête. On n'était pas venu chercher ça avec ma mat, mais je dois dire que là il y a une bête. Enfin, il est très largement au-dessus de 20 kg. Et puis voilà, ça fait plaisir quand même, même si on galère à faire des cartes, Ictus quand même nous offre un gros poisson. Voilà. À partir de 13h, c'est le calme plat comme la veille. Il fait terriblement chaud et les pressions sont hautes. Les poissons sont visiblement plus intéressés par prendre le soleil que par s'alimenter. Après avoir tout replacé sous une chaleur écrasante, il est temps pour nous de se détendre un peu et de préparer un bon barbecue entre potes. Ouais, ça aussi c'est la pêche. Troisième matin là sur Styricus carp. Donc comme les précédentes nuits, on n'a pas fait de touche. Donc on a pris la décision là de se déplacer. On va faire voler le drone, on va essayer de trouver des poissons qui s'alimentent. Parce que bon, clairement sur le poste là où on est actuellement, les poissons sont présents mais ils s'alimentent pas. On a essayé plusieurs stratégies, au fond, en grande profondeur, bordure, rien n'y fait, on n'a pas trouvé la pêche. Donc là on va plier les cannes. On va se déplacer et on va essayer de tomber un des gros poissons de Ictus carp. Bon, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai quitté mon poste, j'ai laissé ma mat tout seul. Et j'ai repéré beaucoup, beaucoup de poissons à Ictus turgeon, en bordure. Donc on va les stalker, voilà. Et puis essayer de faire du poisson à Ictus turgeon, parce qu'il y a pas mal de carpes en bordure là. Donc je vais essayer d'engoler une dans l'après-midi. Et puis j'espère qu'on se voit après avec un poisson. Allez. Regarde.
Non. 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 Un poisson de vin quoi, fais c'est quoi là? Un truc de fou. Avant de rejoindre les postes, là, le nouveau poste 12 et 13, on avait dit, enfin on a dit avec ma mate qu'on allait faire un peu de stalking là sur Ictus Turgeon. Et gros là j'ai perdu un poisson de fou. Poisson de fou, je suis vraiment pas du style à dire les poissons perdus, il est gros, mais là je viens de le prendre à 50 cm de la bordure, enfin du moins de le piquer. Je peux pas le louper, il était à mes pieds quoi. C'est un poisson. Je me rassure en me disant qu'il faisait que 20, mais il était peut-être plus gros, même encore 25, enfin je sais pas, il était énorme. Et je l'ai perdu. J'ai mon fil qui s'est entouré autour du moulin et de la manivelle quand j'ai ferré. Et impossible de rien faire avec la tension, ça a cassé. Voilà. Donc dépité quoi. Dépité, il nous reste 24 heures là, on va aller pêcher, on va aller s'installer. Puis je pense que demain on va peut-être revenir faire un peu de stalking, mais là, ça fait longtemps que j'avais pas eu un seum comme ça. Donc bon, allez, on passe à autre chose. On garde espoir. Ouais. Après cette cruelle désillusion, on garde espoir car il nous reste encore 24 heures de pêche. Et en 24 heures, beaucoup de choses peuvent encore arriver. À l'image du changement de poste à Ruffaut, qui a été plus que bénéfique, on espère que les postes 12 et 13 nous réservent encore de belles surprises. Mathieu pêchera le poste 12, en plaçant ses cannes entre les plusieurs eaux fonds qu'offre le poste, avec une troisième canne sur la bordure d'en face, sous les arbres qui surplombent l'eau. Pour moi, ça sera aussi une pêche de haut fond, en escalier, et une troisième canne toujours sur la bordure d'en face qui sent littéralement le poisson. Déjà quelques manifestations de poissons qui nous redonnent un peu de confiance, mais qui dit poisson qui saute ne veut pas dire poisson qui s'alimente de notre expérience que nous venons de vivre sur le poste précédent. Mais au moins, nous avons quelques carpes sur la zone. Tout est en place pour la dernière nuit, qui, je l'espère, sera productive. Voilà, petit poisson au réveil, une belle commune, pas bien grosse, sûrement le deuxième petit poisson d'ictus après le premier petit poisson d'ictus d'hier. Donc la nuit a été pas vraiment productive, on fait deux poissons, mais bon, c'est pas fini encore, on est sur le coup du matin. Allez, on la remet à l'eau. Vas-y, on y va. Enfin une touche, hein. Ah, touche miraculeuse, j'y croyais plus. Enfin une touche, j'espère un beau fiche. Bah j'espère aussi, écoute, toi un fiche c'est déjà bien. Ouais. Tu la piques où celle-là? Hein? Tu la piques où celle-là? En bas d'un haut fond, dans 6 mètres d'eau. La canne pêche depuis hier. J'ai fait un gros amorçage. Et puis presque 24 heures après, ben, petite touche sympa. Il
Ah, si, c'est un beau fiche quand même. Oui, c'est un beau fiche. Bien joué, ma map. Bon, ben voilà. Non, on n'a pas de bol. Et voilà, quatrième matin sur Ictus Carp, ça fait plaisir. Ça faisait 48 heures que j'étais. Que j'avais pas sorti de poisson. Toujours sur ma tuna, au bas d'un au fond. J'ai fait un amorçage massif. Et 24 heures après, ça a payé. Je suis content. Ce sera notre dernière carp ici à Ictus. Il est temps pour nous de tout remballer. On aura passé vraiment 13 jours exceptionnels. Merci à Ictus et je l'espère, on se revoit bientôt. Me down.